Coucou à tous, et oui, alors j'ai été faire du shopping pour Kélia. Alors elle est au courant, ouais, elle est au courant de rien du tout. Alors j'ai aussi eu des collaborations, donc on va ouvrir tout ça dans cette vidéo. Dans tous les cas, on précisera si c'est une collab ou si c'est moi qui ai acheté. J'ai trop hâte. Et puis voilà, donc il y a beaucoup de choses quand même, hein. T'as été bien gâtée là encore, hein. Donc tu commences? Alors, tu vas pouvoir commencer par ce sac qui est là, celui-là et celui-là. Le noir, voilà. Et aussi celui-là, le petit noir. Voilà. Tu vas commencer par ça. Celui-ci. Voilà. Ces quatre-là. Et donc, ça, c'est donc une collaboration avec New Chic. Donc, on vous mettra dans tous les cas. Le site en barre d'infos. Voilà, le lien du site en barre d'infos ainsi que le lien de tous les articles que Kélia va ouvrir. Et puis, ben voilà. Donc, tu commences? Alors, vas-y. Donc, il y a plein de choses, hein. C'est le mug. Je crois que c'est un mug Tu licorne. l'avais vu sur le site et tu le voulais trop. Donc, regarde. Il est trop beau en vrai. Moi, j'ai regardé, bien sûr. Il est trop beau. Kylia ne l'a pas vu en vrai. Elle l'avait vu sur le site, mais c'est tout. Alors. Il est trop beau, hein? C'est de l'autre côté que ça se met, Kéké. Voilà. Mais moi, j'aime trop. Il est trop, trop beau. Alors, je zoome pour le montrer de plus près. Et il est vraiment magnifique. Magnifique. Alors, il est rose pâle avec une licorne. Et il est aussi un peu avec des touches dorées. Donc voilà, il est vraiment trop trop beau. Donc il y a une cuillère aussi avec et un petit dessus de tasse. Voilà, donc il est vraiment magnifique, hein. T'en penses quoi? Alors je te laisse continuer. C'est quoi ça en fait? Alors ça, C'est ce pour sont... rincer les pinceaux? C'est, ça sert à laver les pinceaux en fait. Ah, ça a l'air trop bien. Voilà, c'est pour laver les pinceaux. Donc il y en a un pour toi et puis ben, un pour moi en fait. D'accord. C'est par lot de deux. Alors je vais vous les montrer de plus près. Merci. Alors voilà, c'est comme ceci. Voilà, et en fait, ça sert à laver les pinceaux. Donc Ça a l'air trop bien. c'est à ventouse. Je vais essayer de les sortir pour vous les montrer. Hop, je vais en prendre un. Voilà, c'est comme ceci et c'est à ventouse. D'accord. Et en fait, ça sert à laver les pinceaux. Et je Ça trouvais a l'air ça, trop bien. voilà, plutôt pas mal. Donc on va tester. Donc il y en a un pour moi et puis il y en aura un pour Kéké aussi. Alors, ensuite, Attends. ensuite des pinceaux de maquillage. Alors, ensuite des pinceaux de maquillage. Ah, j'en peux plus. Alors, ensuite des pinceaux de maquillage. Voilà, et ils sont trop jolis. J'ai trouvé super canot. Canot, mais c'est pas possible. J'arrive pas à parler aujourd'hui. J'ai un problème, j'arrive pas à parler aujourd'hui. C'est contagieux. Bon, on reprend, on va y arriver. Alors, donc des pinceaux, C'est bien voilà. beau. Voilà, ils sont trop trop beaux. Donc, ils sont couleur dorée. Et les poils du pinceau, ils sont blancs et roses, c'est ça? C'est ça. Voilà comment sont les pinceaux. Donc ils sont dorés, le manche est doré comme ça. Et donc les poils sont blancs et roses. Ils sont vraiment super canons. Donc voilà, pour Kélia, pour qu'elle se maquille le week-end ou quand il y a des petites fêtes ou autres. Je trouvais ça plutôt pas mal. Vraiment, ils sont trop 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 Alors, jolis. qu'est-ce que c'est? Une palette de Uhum. maquillage. Alors, vas-y. Chocolat. Chocolate. Alors, ce n'est pas la vraie, bien sûr. Elle vient du site New Chic. Donc, ce n'est pas la vraie qu'on peut trouver chez Sephora. Moi, j'ai deux vraies palettes, justement, de Too Faced. De Too Faced. J'arrive vraiment pas à parler aujourd'hui, hein. Et donc, voilà, Kélia, bah, clairement, elle les a adorées, mes palettes. Donc, j'en ai pris une sur New Chic, car elle n'a pas l'âge d'avoir une vraie palette, clairement. Non. Donc, ça, c'est très bien. Et elle est super belle en plus, hein. Magnifique. T'es contente alors? Oui, je sais, super contente. Super contente. Non, mais là, il y a vraiment un problème. C'est. Super contente. Oui. Alors voilà, elle est comme ceci. Elle est vraiment trop belle. Donc, le boîtier, il est rose pâle. Donc, il y a plein de petits cœurs comme ça. Et à l'intérieur,
Hop, elle se présente comme ceci. Donc il y a un petit plastique qui protège les phares. Et voilà, elle est vraiment trop belle. Donc voilà, après je vais pas vous montrer le miroir sinon on va me voir. Mais voilà, elle est vraiment trop belle. Bon, par contre le miroir il est cassé. Oui. Donc je vais vous le montrer mais il ne tient pas. On peut voir qu'il tombe. Regardez, hop. Voilà, le miroir il est décollé. Oh. Donc nous on va le recoller, c'est pas très grave. Mais bon, je trouve ça un peu dommage quand même. Tu vas envoyer un mail. Donc je vais envoyer un mail, oui bien sûr, pour prévenir. Mais voilà, on va le recoller, c'est pas très grave. Mais voilà, il y a le miroir qui se met juste là. Elle est vraiment trop belle. Je vais quand même essayer de vous montrer les phares de plus près. Même si on voit pas très bien. Mais voilà. Alors ensuite. Alors on continue. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est quoi ça? Un sac. Un sac à dos, oui. Il est trop beau. T'aimes bien? J'aime bien. J'aime beaucoup les couleurs. J'ai craqué dessus sur le site. Je me suis dit, bah, je vais le prendre. Et on verra bien si elle aime ou pas. Donc, pour les sorties cet été, oui. Je trouvais ça plutôt c'est pas mal. Il est super joli, hein? Oui, il est magnifique. Donc, voilà comment il est à l'intérieur. Il est vraiment super grand. Donc, il y a une petite pochette juste là. Et là, pareil. Voilà, il y a un deuxième compartiment comme ça. Et il est vraiment super grand. Il a l'air trop bien. Ouais, il y a une petite pochette devant comme ça. Et voilà. Et donc, les bretelles derrière sont comme ceci. Donc, c'est plutôt pas mal hein, pour le confort au niveau des épaules. Donc, voilà. Et il y a des petites pochettes sur le côté pour mettre une petite bouteille d'eau ou autre de chaque côté. Donc, voilà. Il est vraiment super joli en tout cas. Alors, ensuite, un masque. Alors, pour finir, oui, je t'ai trouvé un masque. Alors, je sais que tu adores les masques. Donc, j'ai trouvé celui-ci super sympa. Il est trop joli. J'aime trop. Il est trop beau. Alors il est un peu couleur rose pâle et doré. Donc ouais, il est vraiment trop beau. Je vais le montrer de plus près. D'accord. Mais ouais, j'adore. C'est avec une petite... C'est pas la dernière chose, il reste encore quelque chose. Ah, il y a encore un petit truc. Alors voilà, il est comme ça, il est super doux. Avec une petite couronne. Il est vraiment super chouette. Et pour finir... Et donc pour finir, avec le site New Chic, c'est quoi? Un squishy rouge à lèvres. Ouais, alors, un squishy rouge à lèvres. Il est super grand en plus. Merci maman. De rien. Alors, il sent bon, hein? Non. Il sent pas bon, hein? Il pue. D'accord. Bon, il est beau sinon. Il est magnifique. Fais voir. Hop, merci. Alors, voilà, il est vraiment trop joli. Hein. Mais il est trop beau. Donc c'est un squishy. Merci maman, vraiment. Comme ça, rouge à lèvres. Il est rose, doré, avec le rouge à lèvres comme ça, rouge. Je suis trop contente. Il est trop beau. Hein. Ah, tu le veux, hein? Oui. Il est super chouette. Bon, alors, tu en as pensé quoi, déjà, pour commencer, de New Chic? C'était trop bien. T'as bien aimé? Oui. J'ai fait des bons choix? Oui. Bon, alors, parfait. Ensuite, t'en fais quoi? Alors, maintenant, tu vas faire celui-là, le gros sac qui est devant toi. Et donc, attends, je t'ai pas dit ouvre. Alors, là, ça vient, pareil, c'est encore une collaboration. Et cette fois-ci, encore c'est avec le fabuleux chaman. Donc nous, on adore ce site. On a déjà collaboré avec eux deux fois. On avait eu, tu avais eu deux suites. Voilà. Alors, fabuleusement râleuse. Oui, et je ne suis pas chiante. Je suis pire. Voilà, je ne suis pas chiante, mais pire, tu avais eu. Et donc là, bah, ils m'ont autorisé à passer une petite commande. Et donc voilà, j'ai reçu ça pour toi. Alors, vas-y. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs choses? Oui, il y a plusieurs choses dedans. Oups, ça tombe. Un coussin où il y a écrit « Râler, c'est la vie ». Voilà. Et bah, je trouvais ça trop chouette, la phrase. Donc c'est un coussin rose, donc il y a plusieurs coloris, hein. Il y a soit rose, blanc, bleu je crois. Toi, tu m'as pris rose. Voilà, moi j'ai pris rose pour aller avec ta chambre. Et donc dessus il y a écrit... Râler c'est la vie. Râler c'est la vie. Alors je vais zoomer dessus, donc ne bouge plus, voilà. Et donc c'est écrit râler c'est la vie. Et ensuite c'est signé chaman. Donc vraiment il est trop beau. Alors je tiens à préciser, en fait c'est une housse plus un coussin. Ah c'est trop bien ça. Donc ça c'est vraiment génial. Donc si jamais, voilà, si la housse est sale, et ben on peut la laver sans problème. Donc c'est vraiment génial. C'est vraiment la housse plus le coussin. Donc ça c'est vraiment trop cool. Alors il y a un t-shirt.
Voilà, alors j'ai aussi pris un t-shirt pour ton petit frère. Et bah ensuite tu verras ce qui reste. Donc là voilà, c'est un t-shirt pour le petit frère alors, de Kélia. Il y a écrit la perfection n'existe pas sauf moi. Voilà, j'aimais trop la phrase. Et signé Chaman. Voilà, j'aimais trop la phrase. Donc c'est écrit la perfection n'existe pas sauf moi. Et donc on voit bien en bas c'est signé Chaman. Alors ne bouge pas, je vais zoomer un petit peu dessus. Voilà. Donc c'est écrit en noir et le sauf moi il est écrit en rouge bordeaux je dirais. Donc voilà, en tout cas je le trouvais trop trop beau et j'aimais trop la phrase. Donc bien évidemment les t-shirts existent en gris, en rose, en blanc. Voilà, et moi j'ai pris gris pour le petit frère. Et puis voilà. Et donc j'ai pris quelle taille? 5-6 ans. 5-6 ans, donc on lui a pas encore essayé mais ça m'a l'air de bien tailler. Je pense que ça lui ira parfaitement. Ensuite, et pour finir, alors c'est quoi? Attends, après c'est vide. Finir. Ah ouais, il y a quoi d'autre? C'est quoi ces gros yeux? Ah, il y a un petit carambar au cola avec. Ok. Et sinon, il n'y a rien d'autre. En tout cas, c'est sympa le petit carambar en plus. Ah, il y a un petit mot pour moi. Hop, tu me le donnes? Merci, que j'avais pas vu. Donc voilà, j'ai un petit mot doux pour moi. Donc si je l'avais vu, mais je ne l'ai pas retiré en fait. Hop, donc là c'est la facture. Donc voilà, le petit mot vraiment trop mignon et j'aime beaucoup. C'est super joli, j'aime beaucoup. Alors, donc merci pour le petit mot. Oui, merci beaucoup. Alors maintenant ouvre et le petit carambar. Alors ouvre ton t-shirt. Princesse. Ouvre-le. Ouvre-le et tu verras ce qu'il y a écrit dessus. Alors. Vraiment, merci beaucoup. Nous, vraiment, on adore ce qu'ils font. Alors, il y a écrit Princesse en basket. Voilà, alors Kélia, elle adore les baskets. Et bah voilà, je trouvais que ce t-shirt était parfait pour elle. Donc, ouais. Donc là, je l'ai pris en couleur rose. Oui. Et c'est un rose saumon, je dirais. Et c'est du 9-11 ans, voilà. Et okay. Il est vraiment trop beau. Merci maman. Il est trop joli, maman, hein. Je suis trop contente. Ouais, vraiment, ce t-shirt, il est trop trop beau. Hein. J'adore, j'aime trop. Donc vraiment, un énorme merci à vous en tout cas. C'est super gentil. Oui. Donc, bah voilà, on continue. Et on passe à quoi? Eh bah, je sais pas. On va voir. Alors, je tiens aussi à préciser que sur le site du Fabuleux Chaman, il n'y a pas que des coussins et des t-shirts. Il y a des mugs, des suites, des trousses, plein de choses vraiment. Voilà, il y a vraiment plein de choses. Et il y a plein de phrases rigolotes que moi vraiment j'aime trop en fait. J'aime trop leurs phrases. Oui, j'aime trop. Et voilà, donc de toute façon, on vous met le lien du site en barre d'infos. Et si on a un code promo aussi. Voilà, et si on a un code promo, on vous le met aussi dans la barre d'infos. Bon allez, maintenant on passe à autre chose. Bah je sais pas. Le petit carton. Ça. Voilà. Alors je te lève découvrir ce que c'est. Et alors c'est quoi? Une montre. Et c'est quoi comme montre? Icewatch. Voilà. Alors c'est encore une collaboration. C'est la dernière d'ailleurs. Alors Kélia, elle a déjà une montre Icewatch. Donc ce sera la deuxième que tu as. Et celle-ci, c'est pour le printemps-été, niveau coloris de la montre. Oh, elle est trop belle. Alors déjà, la boîte, elle est rose. Elle est magnifique. Et maintenant, on va vous montrer la montre. Merci maman, je suis trop contente. Bah vraiment, un énorme merci à la marque, surtout qui a accepté de nous envoyer une nouvelle montre. Donc là, voilà, elle se présente comme ceci et elle est vraiment magnifique celle-ci. J'ai trop envie de la mettre sur la Elle est trop belle. Hein. Vraiment, elle est magnifique. Bon, on va la sortir de là pour vous la montrer de plus près. Mais elle est vraiment super jolie. Et voilà la petite merveille, elle est vraiment magnifique. Elle est, Waouh, elle est trop belle, vraiment. Je veux la même, hein. Tiens, je te laisse l'enlever. Elle est magnifique. Elle est trop belle, hein. Elle est trop canon. Bon alors, je te laisse l'enlever. Alors, à l'intérieur, il y a aussi ces petites choses dont la garantie. Donc, elle est garantie 2 ans apparemment. Donc ça c'est plutôt chouette. Et donc il y a ce petit livret juste ici, voilà.
Et voilà, elle est vraiment, en tout cas leurs montres sont vraiment trop trop belles. Alors voilà comment elle est. Donc le bracelet est de couleur rose pâle. Moi j'aime trop. Donc c'est le genre de bracelet en caoutchouc, j'ai envie de dire. Mais c'est vraiment un caoutchouc super léger, super fin. Et vraiment quand on a la montre au poignet, elle est vraiment super légère. C'est vraiment très agréable à porter en tout cas. Donc là, il y a une petite protection qu'on va enlever comme ceci. Je crois pas. Elle est vraiment trop trop belle. Donc on peut voir que le cadran est rose gold aussi. Donc voilà, elle est vraiment trop trop belle. Merci maman. Donc là voilà. Et ouais, vraiment elles sont magnifiques leurs montres. Hein. Ils ont beaucoup beaucoup de choix. Et vraiment elles sont toutes magnifiques. Donc voilà, tu pourras mettre celle-ci maintenant. Oui. Parce que Kélia, elle a une noire, je vais vous la montrer. Alors Kélia, elle a déjà eu celle-ci il y a quelques mois. Donc celle-ci, elle est noire avec le cadran rose gold et les aiguilles et les chiffres en rose gold. Donc voilà, et donc elle la met tout le temps pour aller à l'école, celle-ci d'ailleurs. Et donc bah maintenant tu vas pouvoir mettre la nouvelle. Voilà, tu l'as déjà mise. Elle est vraiment trop belle. Il faut la mettre à l'heure. Voilà, on va la mettre à l'heure. Mais voilà, pour le printemps-été, ça va changer un petit peu de la noire. Tu vas tout le temps la mettre, elle est trop belle. Alors bien sûr, on a un code promo pour vous. Donc le code promo, c'est KELIA15 en majuscule tout attaché. Alors vous le mettrez ici et en barre d'infos. Voilà. Et aussi le site. On vous mettra aussi le lien du site dans la barre d'infos. J'y crois pas. Et alors, il faut savoir qu'avec ce code promo, vous aurez moins 15% sur le modèle de votre choix. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est trop bien. Alors par contre, le code promo est valable seulement une semaine. Donc nous, on poste la vidéo le dimanche 7 avril. Donc le code est valable, si je ne me trompe pas, jusqu'au 14 avril. Oui. Donc vraiment... Dépêchez-vous. Voilà, faites vite, sachant que vraiment, ils ont plein de modèles. On n'arrive même pas à choisir. Voilà, elles sont toutes super belles. Donc vraiment, profitez de ce code promo. Et puis bah voilà, en tout cas nous ces montres là voilà, font partie de nos coups de cœur. Bon alors on a terminé pour ce qui est des collaborations. Alors j'ai tout aimé vraiment, merci beaucoup. Oui vraiment un énorme merci aux marques qui ont accepté de nous envoyer tout ce qu'on a reçu avant. Et maintenant et bah on va passer au shopping que je t'ai fait, voilà moi. Alors voilà, commence par le sac voilà par le sac Zara. Et là, c'est d'H&M. Oui il y a beaucoup de choses dedans. Alors Zara, normalement, c'est quelque chose que tu as dû voir dans une vidéo d'une de tes copines. Donc là, c'est la facture. Alors. C'est le pull de Iliana ? Eh ouais, c'est le même pull. Donc c'est un pull robe. Oui. Et donc, on l'avait vu dans une vidéo d'Iliana. Donc c'est une petite blonde 2008. Et donc, je savais que tu le voulais. Ah oui. Et donc, voilà. Donc, je te l'ai pris. Merci, maman. Et donc, c'est un pull robe mini. Il est vraiment trop beau. T'aimes bien ? Oui. Oui. Donc, voilà, c'est un pull robe avec une capuche. Et donc, on a pris... Bah, je t'ai pris 10 ans, je crois. 10 ans, oui. Voilà. Et voilà. Mais il est trop beau, en tout cas. Il est magnifique. Bon, alors maintenant, tu veux passer à quoi ? À celui-ci. Celui-ci, eh ben non, ce sera en dernier. Tu sais pas ce qui est dedans, hein, c'est bien caché. Non, on passe à H&M. Allez. Bon, il y a plein de choses. Il faut savoir qu'on a fait du tri dans le dressing de Kélia. Et bah, elle n'a plus rien pour le printemps-été, clairement. Donc voilà, j'ai fait du petit shopping pour le printemps-été surtout. Donc je te laisse découvrir ce qu'il y a. Waouh, un short. Donc un petit short en jean tout simple. Donc il est bleu clair. C'est du 10-11. Voilà, c'est du 10-11 ans. Et voilà, donc c'est un petit short en jean tout simple. Voilà. Donc il y a des hauts pour aller avec pour certaines choses. Donc par exemple, voilà, ce haut là va avec le short. Ah, il est trop beau, j'aime trop. Voilà, donc c'est un petit haut tout léger, un peu genre voilà, du 10-11, c'est un peu comme un petit chemisier, oui. Ah, j'aime super trop. Léger, donc voilà. Et ça, c'est pour aller avec le short. D'accord. Ça te plaît pour l'instant ? Oui, ça me plaît. Ok. Ensuite, le ticket de caisse. Le ticket de caisse, qui est très long d'ailleurs. Ensuite, un pantalon. C'est exactement le même que Iliana. Voilà, donc il y a Iliana et sa sœur qui ont le même. Et donc, c'est un jean leggings un peu blanc. Avec des sequins réversibles au niveau des genoux. Donc voilà, je le trouvais super canon. Il est
Alors, c'est du 10-11. Voilà, du 10-11. Et il est trop beau. Vraiment. Il est trop Merci beau. Merci beaucoup, maman. De rien. Alors, ensuite, il y a plein de choses. Hein. Donc, il y a des shorts. Le short. Donc, un petit short en jean blanc. C'est du 10-11. C'est du 10-11 à chaque fois pour le bas, je crois. D'accord. Donc là, c'est encore 10-11. Un short en jean. Voilà. Ensuite, un t-shirt Mickey. Ouais, il est trop beau, hein. Oui, il est magnifique. Et c'est du 10-12. 10-12, ouais. Il est trop beau, celui-ci. Il hein. est trop beau. Je vais le mettre à Disney. Bah ouais, tu pourras le mettre à Disney. Il est trop, trop beau. Hein. Ensuite... Il y a plein de choses. Hein. Ensuite, un t-shirt. Un t-shirt, voilà. C'est quoi cette tête? T'aimes pas? Si. Si, bon, t'as fait une tête bizarre quand même. Hein. T'aimes bien? Oui. Donc, il y a écrit New York en rose fluo. Oh, et ouais, donc voilà. Si t'aimes pas, tu peux le dire aussi. Hein. Ah, j'aime bien. Ok. Ensuite, c'est quoi ça? Eh ben, regarde bien. Alors bah c'est un peu comme celui d'avant. Comme lui. Voilà, sauf que là, voilà, c'est en jean. D'accord. Bah c'est en jean. Alors, c'est du... c'est effet de jean, on va dire. C'est du 10-12. 10-12, voilà. Alors on va passer vite, il y aurait beaucoup de choses. Ouais, il y a beaucoup de choses. Ensuite, un t-shirt du 11-10. 11-12. 11-12, voilà, donc un petit t-shirt comme ça, avec des couleurs qui font très printemps-été. Ensuite, un short et c'est du... 10-11. Et voilà. C'est ça. Donc voilà, encore, elle a plus de shorts en jean. Donc vraiment, il lui faut des shorts en jean pour cet été. Parce que moi, tu m'as tout pris. Donc là, je t'en ai pris plein en fait. Donc là, il est kaki celui-ci. Et ensuite, un hockey sport court. Eh oui. Alors, Kélia, elle a le legging qui va avec ce haut. Et elle a le sweat, le pull en fait, qui va avec le haut. Donc cet été, si elle veut mettre le legging, et ben au lieu de mettre le pull, elle pourra mettre le haut qui va avec. Et c'est du 8-10. Et c'est du 8-10, pardon, ouais. Ensuite, un autre petit caisse. Oui, en fait, il y a plusieurs achats que j'ai regroupés. Ah, d'accord. Donc là, c'est quoi? Ensuite, une robe. Non, c'est pas une robe. Mets-toi debout. On regarde. Ah, c'est une combi. Oui, voilà. Alors, c'est du 10-12. Voilà. 10-11. Oui, 10-11. 10-11. Donc, c'est une combi comme ça, pantalon. Voilà. Et elle est kaki. Elle est magnifique. T'aimes bien? Elle est super légère en plus. Donc, je trouvais ça parfait. Alors, ensuite, un legging. Oui, voilà. Et c'est du 10-11. Voilà. Alors, en fait, c'est un legging noir avec des sequins sur les côtés des jambes, en fait. Voilà. Donc, voilà. Et c'est du 10-11. Voilà, tu l'as déjà dit, je crois. Et ensuite, c'est pareil que... Alors, voilà. Et donc, là, celui-ci, il est comme ceci. Et il va avec le short en jean. Bah, il peut aller avec le short en jean blanc. Je trouvais que ça allait bien ensemble. Oh. Je sais pas, tu l'as mis où? Il est dans le bazar. Et c'est du 10-12. Voilà, 10-12. Donc voilà, il est super beau et j'aime bien les couleurs. Moi aussi. Et je pense qu'on a terminé pour H&M. Oui. Bon, ça te plaît ou pas alors? Ça me plaît. J'ai vu des bons goûts. Oui. Ça en fait pas mal quand même. Hein. Donc t'es sûr ça te plaît? Oui. Si t'aimes pas, tu me dis. Hein. T'es pressée pour ça en oui. fait. Mais tu sais même pas ce que c'est dedans. Peut-être que c'est nul. Tu sais même pas ce que c'est. J'ai vu en dernier. Peut-être que c'est nul. C'est dire que c'est meilleur. C'est dire que c'est meilleur. Dernier. Eh ben tu verras bien. Bon, alors voilà pour H&M. Et maintenant on passe. Attends, tu reposes. Et maintenant on passe à ce sac. Ok. Bon, alors je te laisse ouvrir le sac et découvrir ce qu'il y a dedans. Alors déjà pour commencer. Un t-shirt Adidas. Voilà, t'en penses quoi? T'aimes bien? Il est trop beau. J'aime bien la couleur. Alors, on a pris XS. Il n'y avait pas de taille enfant. Oui. Mais la vendeuse nous a dit que le XS taillait pour... voilà. Je pense qu'il taille bien. Taille pour une enfant de 10-11 ans, elle m'a dit. Donc, on verra. Puis s'il est un peu grand, eh ben, tu le mettras plus tard. D'accord. Et ensuite, il y a quoi d'autre? Alors... Ticket de caisse encore. C'est des paires de chaussures que j'ai vues. Bah non, peut-être pas. Si. Mais non. Mais si. Mais non. Mais si. Mais non. Je suis trop contente. Alors, c'est quoi? Des chaussures Adina.
Adidas Superstar. Voilà, et donc Kélia les voulait trop. Alors elles sont comment? Je savais pourquoi, je savais très bien que ce serait important. Alors montre-les moi. Alors elles sont blanches comme ça. Elles sont trop belles hein. Tu attends pour l'autre? Non mais oh. Donc voilà, elles sont comme ceci. Elles sont blanches avec écrit Superstar comme merci, ceci. Merci maman. Et avec des lacets roses. Donc pour le printemps, été vraiment. Bien, l'autre paire, ça serait quoi? Eh, peut-être pas. Donc voilà, elles sont trop belles. Sachant que Kélia n'a plus de Superstar. La paire qu'elle avait, c'était du 35. Oui. Et elles sont justes maintenant. Et là, j'ai pris du 36. Ouais, voilà. Peut-être que ce sera un peu grand, on verra. Mais voilà, en dessous, ce serait trop petit, trop juste sinon. L'autre paire, c'était quoi? C'est celle que... Il y a une autre paire? Oui. T'es sûre? Eh bah dis donc, t'en as de la chance. L'autre paire, c'est la paire Cota. La paire que j'ai moi. Alors, t'es contente? Ah, je savais pourquoi vous me disiez non maintenant. Ah, je comprends mieux pourquoi. On les avait cachées. Alors, celles-ci, c'est les mêmes que moi. Oui. Et donc, elles sont blanches et rose gold. Dès que tu vas les mettre, bah, voici, je vais les mettre. Voilà, elles sont trop belles aussi. Donc là, elles sont blanches et rose gold. Voilà, elles sont trop belles aussi. Et donc, bah moi, j'ai les mêmes. Achoum. Et donc je me les ai prises pour moi et elle voulait les mêmes que moi. Donc voilà. Et elles sont trop belles aussi. Alors avant d'avoir voilà des critiques comme quoi qu'on est riche ou qu'elle est pourri gâtée. Non, on n'est pas riche. C'est simplement que là en fait on a eu une sacrée promo sur une paire. En fait, nous on a la carte courir du magasin. Et comme je me suis acheté une paire pour moi, on avait une très grosse promotion pour la deuxième paire car on avait atteint un palier au niveau de la carte, au niveau des points. Et donc pour la paire de chaussures blanches et rose gold, on les a eues à 50 euros au lieu de 100 euros. Ah. Donc voilà pourquoi on les a prises. Et ensuite les autres, elles ont coûté 70 euros. Donc je trouvais ça assez raisonnable pour une paire de chaussures. Donc voilà, sachant qu'elle n'avait plus de Superstar pour le printemps-été. Ah bah là j'en ai deux. T'as deux paires maintenant, voilà. Et elles sont vraiment trop belles. Et aussi je précise que Kélia n'avait pas de paire de chaussures blanches à part les filas. Donc les filas sont quand même assez grosses. Et moi je voulais vraiment qu'elle ait des chaussures blanches assez fines pour le printemps-été. Donc là voilà, c'est parfait. Maintenant, fini les chaussures. Non. Ah si, maintenant on va attendre la rentrée de septembre. Mais là, je pense que tu as ce qu'il faut en chaussures. Hein. Je pense pas. Oh, si, 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 fini les chaussures. Et avant de terminer cette vidéo, on voulait vous présenter... la double gum qu'on a reçue par Bigummy. Et oui, alors la double gum, c'est leur nouvelle veste. Oui. Et elle est vraiment magnifique. En fait, elle peut faire sac ou transformer le sac en veste. Voilà, alors en fait, dans ce sac... En fait, ce sac est une veste. On peut transformer le sac en veste et on peut transformer la veste en sac. Donc, c'est vraiment super pratique. En plus, moi, je trouve le sac vraiment super canon. Moi aussi, j'aime trop. Donc, voilà, il est tout petit, tout mignon. Et donc, eh ben, à l'intérieur, il y a une veste. Oui. Donc, c'est une veste kawaii. Donc, bah, je te laisse l'ouvrir. D'accord. Alors, on va vous montrer. C'est vraiment super simple à ouvrir. Est vraiment super rapide à transformer. En fait, là, vous prenez, ça se transforme tout seul. Voilà, et donc, bah, le sac se transforme en veste. Et moi, j'aime trop le concept. Les bretelles, on les met dans dans la petite pochette de devant. On rentre les bretelles du sac. Voilà. Et voilà. Et ça fait une veste. Et elle est vraiment super jolie, cette veste. Elle est vraiment... Mets un petit peu plus bas. Voilà, elle est vraiment trop trop belle. Donc il y a écrit Bigummy devant. Il y a le logo sur le côté. Il y a une capuche aussi. Voilà, et elle est vraiment trop trop belle. Alors je te laisse la mettre, ok? Donc voilà, elle est vraiment trop trop belle. Alors il y a plusieurs coloris. Kélia a choisi celle-ci, mais il y en a plein d'autres. Donc pareil, on vous mettra le lien du site Bigummy en barre d'infos. Et on a un code promo qui est Kélia Gum, donc en majuscule, qui vous donnera, voilà, comme toujours. Et donc vous aurez moins 20% grâce à ce code promo Kélia Gum. Donc voilà, elle est vraiment trop belle. Hein. D'ailleurs, Kélia, elle en veut une autre. Mais bon,
On va voir, hein. Et donc, voilà la veste une fois portée. Elle est vraiment trop trop belle, j'aime trop. Ouais, elle est vraiment trop trop jolie. Alors ici, il y a écrit Bigumi en grand. Voilà. Ensuite, il y a le logo Bigumi. Voilà, le logo Bigumi sur la manche. Il y a la petite, la voiture. Voilà, elle est vraiment trop mignonne, j'aime trop. Voilà. Il y a la poche. Donc, il y a la pochette devant qui sert à rentrer la veste à l'intérieur pour faire le sac, justement. Mmh. Donc, elle se ferme à fermeture, comme ça. Et il y a quoi d'autre? Ah oui, donc elle peut se resserrer en bas. Ici. Voilà, et donc si... Si on veut resserrer la veste en bas, on peut. Et en haut. Là, aussi. On peut resserrer la capuche. Voilà. Et il y a une fermeture éclair sur le côté aussi, juste là. Voilà. Donc, en tout cas, cette veste, elle est trop canon. Bon, bah voilà. Et pour ce gros shopping. Vraiment, merci, merci beaucoup, maman. Et les marques, je suis trop contente. Vraiment, merci beaucoup. Bon, maintenant, je vous fais plein de bisous. Mettez des pouces bleus surtout. Abonnez-vous. Ciao, ciao, bisous.